dit bon matin. Qu'est-ce qu'on dit? Voici. Non, on dit... bon matin. Bon matin. On est quel jour vendredi? Le 15 février. Bonne année. Papa est là, il fait du ménage. Pourquoi papa est là? Il va pas travailler? Non, il va pas travailler parce qu'aujourd'hui, on est en tournage ensemble. Oh. Ouais, ça serait le fun. Alors aujourd'hui, Josué n'est pas content. On s'en va en tournage. On va essayer de vous filmer des petits bouts. Puis on va-tu déjeuner finalement? On va sûrement aller déjeuner. En fait, ce matin, on a un tournage. C'est mon écho à la clinique OVO. Bye bye! Et cet après-midi, on va avec les filles. Je sais pas si finalement c'est Mont-Royal. Mont-Royal, en tournage avec toutes les familles des mères à bout pour faire du patin et des glissades sur tube. Alors, je vais tenter de me préparer. Nous, on est debout depuis 5 heures. Maxime est allé au gym ce matin. Courageux. Et je me suis pas rendormie. J'ai pris le temps de répondre à mes messages de bonne fête, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Zouzou, qu'est-ce que tu fais? Bon. Alors, c'est ça. Je vais me préparer. Puis là, il est rendu... Quelle heure, Bé? Zoé! 6h40. Il est 6h40. Je vais me préparer. Puis on se reparle tantôt. Petit singe! Il est rendu 8h moins 10. On s'en va où, nous? À la garderie. À la garderie, pendant que maman puis papa, oh boy, s'en va en tournage à la clinique OVO pour mon écho de 32 semaines, l'écho de croissance. Papa, maman, t'as oublié de manger ta pomme. J'ai pas mangé de pomme. Non, j'ai pas mangé parce qu'on va aller, papa puis moi, on va aller au restaurant. Non, vous allez à la garderie jusqu'à midi. Là, il y a vraiment beaucoup de neige dehors. Et il annonce la pluie cet après-midi. Donc, je ne sais pas si le tournage de glissade de neige va être cancellé. Je vous tiendrai au courant. Personnellement, s'il pleut, ça ne me tente pas tant d'aller dehors. Et surtout que je ne suis pas une fille de sport d'hiver. Mais on verra bien. Alors, on se rejase plus tard. Dites bye-bye, les amours. Des bisous? Ouais! Alors, il est rendu midi moins 4. On sort de chez OVO. Comme vous avez vu ce matin, finalement, on n'a pas été déjeuner parce que ça disait qu'il y avait... Une heure et quart de travail. Finalement, on est vraiment arrivé d'avance parce que la prod nous avait fait arriver comme une heure d'avance. Donc, bien entendu. Mais je vais vous montrer les petites photos. C'est vraiment impressionnant parce qu'on s'attendait pas à avoir un... On savait pas que la clinique OVO, c'était en 3D. Nous, on pensait juste aller là pour faire un écho normal. Je vais vous montrer les petites images. C'est vraiment fou. Regardez! C'est cute! Full les lèvres puis le menton à Maxime. Moins barbu un peu, là. Ah, c'est quoi aussi? Non, mais il y a plus de cheveux que moi! Ah, la petite main. C'est vraiment trop cute. Donc là, il annonce de la pluie. Ben, en fait, il pleut en ce moment. On est en stand-by si finalement on annule le tournage parce que c'était un tournage à l'extérieur de patins et de glissade. Personnellement, s'il mouille, ça me tente pas tant, là, comme moi non plus, parce que c'est pas elle qui va glisser, c'est moi. Exactement, moi je vais faire du chalet! Merci, Ben! Puis là, c'est ça, on va arrêter de chercher de quoi à dîner. Sûrement de quoi de pas super santé comme la dernière semaine.
OK, mon gueule. Alors, c'est ça. On se rejase tantôt. Il faut aller chercher les filles aussi, vu que le tournage est avec les filles. Puis ce soir, je pense pas que je vous l'ai dit, on reçoit à la maison pour un vin fromage pour ma fête. Alors, si on tourne, on va vraiment être flush. On va arriver en même temps que les invités. Donc, puis il restait un petit peu de ménage à faire. Alors, c'est ça. J'espère que la température va être avec nous. On se parle tantôt. Qu'est-ce que vous mangez? Du chocolat? Ouais. Nous, on s'est ramassé du Subway. Et là, on se dirige sur la montagne parce qu'il paraît qu'il y a là-bas. Il mouille! On espère qu'il neige et qu'il mouille pas. Il mouille! Non, 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 gars, ça s'est réchauffé ici. Ça, gars, ça commence à tomber plus en pluie. Ça va tomber en pluie là-bas. Fait qu'on s'en va glisser en pluie. On vous redonne des nouvelles. Êtes-vous fatigué? Non. Il est là, il est en train d'en donner. Ah! C'était... Maxime, c'était comment? C'était de la marde. Ça l'a fini... Oh, Marie-Ève aussi? Ouais. Ça a fini avec un beau ticket! Parce que c'était un parking payant, puis pour eux, c'est même pas indiqué en plus. En tout cas, bref. C'est ça, il mouillait. Moi, je chiale, mais c'est Maxime qui était dehors avec les enfants. Moi, j'étais en dedans, avec Maude. Mais pour vrai, non. C'était pas nice. Là, il est 5h30, puis on reçoit pour 7h15 qu'on a dit au monde, puis combien de temps de travail? Faut se laver. Dans 1h15, on arrive chez nous. Dans 1h15, on arrive chez nous, donc on va probablement arriver en même temps ou après les invités. Mais c'est comme ça. Souris! Ah, ben, c'est certain. Certain. Les enfants ont eu du plaisir quand même. J'ai soif. Ils sont brûlés. Donc. Ça sent le vin. Ça sent le vin. Parce que c'est un vin fromage qu'on fait tantôt. Un 20-20. Un 20-20, mon chum dit, pour lui. C'est écrit puits fromage sur le vin. Le vin contient du fromage. Bref, l'hiver et moi, on fait 14. Alors, sur ce, on se rejase tantôt. Les filles, d'après moi, ils vont faire une grosse sieste. Puis Maxime, ben. Ah, c'est là, mon frère disait, la cavalerie. Ah. À tantôt. Ah, ouais, salut. Et ta boute. Bonsoir, il est rendu 11h30, 23h30. Mes amis viennent de partir, eux ont fêté mon anniversaire, puis là, je viens de coucher Léa. Ouais, demain, ça va être terrible. Surtout qu'elle n'a pas fait de sieste, on est allé la chercher avant la sieste. Mais elle était, pour vrai, elle était fine, je pensais qu'elle allait être vraiment chigneuse, mais ça s'est bien passé. J'étais vraiment contente en arrivant chez moi parce qu'on est arrêté à la mer. Moi, j'aime tout à ça à la mer à cause des colis. Et je vous avais parlé que j'avais fait une commande chez Kibandi que mon chum était supposé aller chercher, mais qu'il a oublié. Et quand je suis allée à Mal tantôt, elle était dans ma boîte à Mal. Et je l'ai commandé hier. Ça, on est vendredi, ouais, hier. Je vais vous montrer, là. Évidemment, c'est toutes des choses mixtes, là, mais c'est ben trop cute. Vraiment, toutes des trucs gris, là. Je suis vraiment dans le gris. C'est vraiment simple, c'est des choses très simples. Parce qu'en faisant mon vlog de valise d'hôpital, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de newborn puis de 0-3 mois. Fait que je l'aurais écrit. Comme je vous disais l'autre fois, c'est une friperie mode. Là. Ils prennent vraiment juste des morceaux en parfaite condition de marque. Donc, je l'aurais écrit mercredi. Ouais, mercredi, je l'aurais écrit. En panique de me trouver des kits, puis ils m'ont envoyé des photos. J'ai sélectionné. Ça m'a coûté 42$ pour genre 12-13 morceaux. Puis je l'ai reçu aujourd'hui. Donc j'étais bien heureuse. J'ai aussi reçu pour mon anniversaire du vin une grosse carte cadeau Rona parce qu'on fait faire notre terrasse cet été. Quand même une grosse terrasse de 30 par 27, je pense. Là, ça va quand même être le fun puisque je passe l'été là. Ça va être bien apprécié. J'ai reçu aussi un mousseur à lait. Mon mousseur à lait était pété et
Dieu sait qu'une maman avec un plus beau café, c'est toujours plus agréable, même s'il est frais. J'ai reçu aussi? Un pidge, des trucs comme ça, là. Bref, et si je vous avais pas montré aujourd'hui comment je m'avais habillée, de ma nouvelle robe rose maternité que j'ai reçue, la rose, qui sera disponible au mois de mars. Alors, ne paniquez pas si elle n'est pas encore disponible sur le site. Elle s'en vient. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. C'est quoi, je vais vous dire aussi, j'ai passé la soirée à montrer mes photos déco, ceux que je vous ai montré tantôt. On dirait que je capote, je m'attendais tellement pas à voir la face du bébé que là, je suis comme toute énervée de voir que... Moi, je trouve personnellement que le bébé ressemble vraiment plus à Zoé Lou parce que le bébé ressemble plus à Max, puis Zoé Lou ressemble plus à Max. En tout cas, on dirait que plus on fait des enfants, plus il ressemble à Max. Mais la madame de l'éco, elle disait que... j'ai tellement ri. Elle dit souvent, quand les bébés naissent, ils ressemblent à leur père. On dirait que la vie est bien faite pour leur montrer que ouais, c'est vraiment toi le père. En tout cas, on a bien ri puisque bébé 3 est comme un bébé de lune de miel un peu. Là. Ça a été très drôle que ça soit pas Max le père, bref. En tout cas, donc là, sur ça, je me suis fait couler un petit bain. Comme à l'habitude, je vais aller me démaquiller dans le bain. Je suis comme tannée d'être maquillée. Puis je vais aller me coucher parce que demain, Max travaille, alors je serai seule avec les enfants. Alors, j'espère que vous avez aimé le petit... C'est un petit vlog court, quand même. Mais parce que ça a été une grosse journée de tournage. J'ai pas pu tant filmer que ça. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié puis que vous allez continuer à me suivre comme ça à travers les vlogs. Bonne soirée!